L'utilisation de l'appareil de mesure Wikiscan de CervoRobot est la solution d'inspection la plus rapide et la plus efficace sur le marché. La gestion et l'envoi de rapports d'inspection est encore plus rapide avec la fonction de transfert par Wi-Fi. Une fois l'inspection effectuée, un rapport d'inspection est automatiquement généré, puis stocké dans la mémoire du Wikiscan. Les rapports d'inspection peuvent être transférés vers un ordinateur par une clé USB ou par lien Wi-Fi. Pour configurer un ordinateur afin de recevoir les rapports par lien Wi-Fi, il suffit d'installer le logiciel fourni Wiki4PC en suivant les instructions à l'écran. Une fois le logiciel installé, cliquez sur l'icône de connexion et sélectionnez le répertoire où les rapports d'inspection seront transférés. Notez le nom de l'ordinateur ainsi que l'emplacement du répertoire de sauvegarde. Vous pouvez maintenant configurer le Wikiscan pour le connecter au réseau sans fil et à l'ordinateur. À partir du menu principal, allez dans l'écran de sélection du réseau sans fil et entrez les informations du réseau. Si la connexion est établie, vous verrez apparaître la force du signal en haut de l'écran principal. Maintenant que la connexion sans fil est correctement établie, vous pouvez transférer les rapports. À partir de la liste des inspections sauvegardées, filtrez celle que vous désirez consulter, puis cliquez sur le bouton « Transférer le rapport par Wi-Fi » pour commencer le transfert. Assurez-vous que le logiciel précédemment installé est bien lancé pour que le Wikiscan puisse se connecter. Maintenant que le rapport est transféré, ouvrez le répertoire de sauvegarde de l'ordinateur. Vous y trouverez le rapport d'inspection en format XLS, communément utilisé par le tableur Microsoft Excel. Ce rapport d'inspection affiche toutes les mesures d'inspection, bonnes ou mauvaises, surlignées respectivement en rouge ou vert, ainsi que des hyperliens permettant de visualiser des informations additionnelles, telles que les images du joint ou de la soudure, des commentaires et des mesures manuelles.